Alors, tous ces pilotes qui tentent de chercher des points précieux pour se qualifier en finale. 10 secondes. Éric Labesse en retard. Ce sera un bon départ pour Derek Smith et Marc Lecomte. Au virage, c'est Derek Smith, Bad Influence. Lecomte est deuxième dans le Miss Saint-Félicien. Et Bertrand Dulude est troisième, là, qui menace Marc Lecomte. Alors qu'Éric Labelle est dans la queue d'eau de Mathieu Lemelin. Alors c'est Derek Smith. Alors que Lecomte doit se méfier de Bertrand Dulude. Éric Labelle vient de passer en quatrième place. Va-t-il faire une remontée? Alors, bon week-end pour Derek Smith et le Bad Influence qui a déjà une première place en poche. Et là, Labelle a devancé Dulude. Il est maintenant troisième dans le Do It. Temps de rattraper le Miss Saint-Félicien. Il est maintenant à l'intérieur. Oh, Labelle colle les bouées. Là, il a presque raté la bouée. Et Lecomte maintient sa deuxième position. Le Dewitt qui est passé dangereusement près des bouées. Alors qu'il semblait passer en deuxième place, mais là c'est toujours le Miss Saint-Félicien. Qui maintient son écart en deuxième face à Éric Labelle et le Do-It. Dulude quatrième et Mathieu Lemelin cinquième. Bon tour de compléter pour le H79, Bad Influence. Et encore une fois, Labelle qui est aux trousses de Marc Lecomte. Cette fois-ci, tente de le dépasser par l'extérieur. Labelle s'approche du Miss Saint-Félicien. Alors que le Derek Smith est loin en avant. Oh, Labelle est maintenant côte à côte avec Lecomte et le Miss Saint-Félicien. Un tour à faire pour Derek Smith. Et Lecomte qui maintient sa deuxième place. Et toujours pourchassé par Éric Labelle. Le Miss Saint-Félicien à l'intérieur. Le Miss Saint-Félicien à l'extérieur. Le Do-It à l'extérieur. La bataille se poursuit. La bataille se poursuit. Des points très importants qui se disputent pour une participation à la finale. Le Labelle a une légère avance sur Lecomte. Et c'est la victoire du H79, Derek Smith, Bad Influence. Mais qui va s'assurer de la deuxième place? Le Do-It ou le Miss Saint-Félicien? Il semble que ce sera le Do-It et Éric Labelle, deuxième. Marc Lecomte termine en troisième place avec le H104, suivi de Bertrand Dulude et de Mathieu Lemelin. Alors encore deux qualifications
à Hydro 350 et on va faire le cumulatif des points pour savoir qui va passer.